Ce soir-là, à Nancy, c'est la plus belle constellation de vedettes qui s'est réunie au stade Marcel Picot. Toutes les stars du football actuel s'étaient donné rendez-vous pour la fête, pour le plaisir de jouer encore une fois avec Michel Platini. À la tête de l'équipe du reste du monde, l'Argentin Diego Maradona, l'étoile du football mondial. Comme Platini, il porte toujours le numéro 10. Voici la composition de l'équipe du reste du monde qui était opposée à l'équipe de France. Difficile de faire beaucoup mieux. Il faut noter au passage la présence de trois joueurs soviétiques, Belanov, Zavarov et Dassaïev. Quand on sait que les soviétiques ne se déplacent jamais pour ce genre de manifestation, on mesurera l'importance qu'ils donnent à ce jubilé Platini. Luis Fernandez jouera avec l'équipe de France en compagnie de tous ceux qui l'ont animé dans les années 82 à 86. Bernard Gengini, l'un de ceux qui a maintenant la lourde charge de combler le vide énorme laissé par le départ de Platini. Jean Tigana, qui a pris sa retraite internationale au même moment que Platini cessait sa carrière de footballeur. Dominique Rocheteau, également, a quitté depuis peu le cercle très fermé de l'équipe de France. Enfin, le voilà, le jubilaire, le visage tendu, comme au temps de la Belle Époque, au moment d'entrer dans l'arène pour y distribuer ses banderilles. Autour de lui, ses amis, parmi lesquels Pelé. Ils vont parvenir à lui arracher un sourire. À ce moment-là, Platini revoit certainement défiler dans sa tête tous les moments passés ici, depuis les débuts de sa carrière professionnelle. Michel a signé sa première licence de footballeur en 66. Il était pupille à l'AS Jeuf, là où il est né, près de Nancy. Premier contrat professionnel en 72, à l'AS Nancy-Lorraine, justement. Il y restera jusqu'en 79, année de son transfert à l'AS Saint-Étienne. Mais c'est ici, à Nancy, que Platini s'était fait connaître, que son immense talent avait ébloui tous les observateurs. C'est à Nancy qu'avec son ami, le gardien de but Jean-Michel Moutier, Platini a mis au point un procédé d'entraînement au tir des coups francs. Michel se servait de mannequin de mousse imitant un mur de joueur. C'est ainsi qu'il a pu affiner sa précision et sa technique dans ce domaine-là. Tous les gardiens de but adverses ont tremblé un jour de voir Platoche se préparer à jouer un coup franc. Que de buts décisifs il a ainsi marqué. Un personnage important dans la carrière de Michel Platini, son père. J'étais dans un contexte familial qui m'a poussé au football, pas trop quand même, mais ils m'ont toujours aidé à jouer au football. Mon père était entraîneur, il m'a promulgué beaucoup de conseils et ma mère m'a jamais dit non, ne joue pas au football, tu vas te salir. Au contraire, elle m'a toujours aidé. Puis vers 18 ans, j'étais contacté par plusieurs clubs, puis je suis devenu footballeur professionnel, mais je ne savais pas avant qu'on pouvait jouer au football et gagner sa vie. Soyez rassurés, Platini n'aura jamais craqué au cours de sa carrière. Une carrière remarquable à tous les points de vue. Sur le plan financier, bien sûr, il était loin ces dernières années des modestes salaires de l'époque de Nancy. Il fut certainement l'un des footballeurs les mieux payés du monde. Enfin, il s'avance pour son dernier match, acclamé par plus de 35 000 spectateurs qui n'ont Dieu que pour lui. Ce jubilé est retransmis en direct à la télévision, et ce, dans plusieurs pays à travers le monde. Cette fête, il la voulait belle. C'est lui qui a mis au point tous les détails de l'organisation. Voici la composition de l'équipe de France avec les principaux équipiers des plus belles années, c'est-à-dire des Coupes du Monde 82 et 86, et aussi du Championnat d'Europe que la bande à Platini avait gagné en France en 1984. Le grand Pelé entre à son tour. Il ne jouera pas ce match, mais il avait tenu à marquer de sa présence ce jour important dans la carrière de Platini. C'était vraiment la grande fête du football. Une fête comme l'avait souhaité Michel. Voici maintenant réunis trois des meilleurs footballeurs de tous les temps. Pelé, toujours présent dans l'esprit de chacun. Michel Platini et Diego Maradona. Trois hommes, trois générations, trois footballeurs hors du commun qui ont su enchanter les foules. Pelé dans les années 60,
puis Platini, et maintenant, au sommet de sa gloire, Maradona, qui a encore de longues années devant lui. Excusez-moi, leur dit Michel, je dois vous quitter. J'ai un match à jouer, mon dernier match, le match le plus émouvant de ma carrière. Le capitaine des Bleus va pour la dernière fois échanger le traditionnel fanion avec le capitaine adverse, qui n'est autre ce jour-là que le gardien de but belge, Pfaff. Les deux hommes se connaissent bien, ils se sont souvent rencontrés, ils aiment la plaisanterie l'un et l'autre, ce qui les a encore rapprochés. Le toss avec l'arbitre du match, Michel Vautreau, également une grande figure du football. Pour lui aussi, l'humour est un élément indispensable. Et tu veux un coup de froid qui est le premier de l'histoire? Non, non, allez. À l'échauffement, le gardien de but, Joël Batz. Michel, Michel, la foule scande le prénom de celui qui pendant de longues années a donné une autre dimension à l'équipe de France. Sur les maillots des joueurs des deux équipes, on peut lire « Nos drogues » ou « Non à la drogue ». C'est le nom de l'association de lutte contre la drogue créée et présidée par Michel Platini. Encore un combat qu'il dirige avec beaucoup de talent. La recette intégrale du match reviendra d'ailleurs à cette association. 20h45, le dernier match de Platini va pouvoir commencer. Fernandez. Tigana. Longue balle vers Amoros. De la tête pour Rocheteau. Et une première face ici de Pfaff. Maradona. Joe Pinto. Belanoff en retrait pour Maradona. Madjer, talonne pour Maradona. Et contre des Bleus par Tigana. Platini. Gires. Platini encore. Pour Stopira. Long centre de Stopira et un arrêt très spectaculaire de Pfaff qui entame déjà son numéro de comique. Platini. Fin de tir et passe en finesse à Rocheteau. Après un an de retraite, Michel prouve ici qu'il a conservé toute son intelligence de jeu. Au ralenti, admirez l'extraordinaire vision du jeu de Platini. Forster et toute la défense adverse est surprise. Et sans la parfaite sortie de Pfaff, Rocheteau aurait pu ouvrir la marque à ce moment-là. Ayash. Platini qui talonne pour Gires. Tire du gauche de peu à côté des buts de Pfaff. En quelques actions, on avait retrouvé le merveilleux couple Platini-Gires qui à lui seul avait subjugué bien des défenses par le passé. Il faut avoir des yeux dans le dos pour réussir avec une telle précision cette talonnade qui arrive exactement là où il faut dans la course de Gires qui peut tirer en pleine course. Lutte au coude à coude entre les deux numéros 2, Belanoff et Amoros. C'est un corner pour les Verts et Blancs. Le public est vraiment enchanté par la qualité du spectacle qui lui est offert. Belanoff, l'un des meilleurs joueurs soviétiques. Regardez bien ce corner. Il est tiré très loin au-dessus de la défense sur Maradona. Contrôle de la poitrine et tir de volée. Batz se repousse, c'est vraiment du grand art. Nous allons revoir ce corner. Sous un autre angle et au ralenti, l'exploit technique de Diego Maradona. Maradona, le revoici dans ses œuvres. Une passe lumineuse pour Mataos, Amoros est débordé, sortie de Batz, mais Mataos le précède et ouvre la marque pour l'équipe du reste du monde. Un but superbe du joueur allemand, mais bien sûr, le mérite revient surtout à Maradona.
Magnifique conduite de balle en pleine vitesse de Mataos. Et superbe lob au dernier moment. Un but de toute beauté. Le match est commencé depuis un quart d'heure. Sur ce ralenti de face, on peut admirer la passe géniale de Maradona. Mataos se trouve dans une position idéale face au but de l'équipe de France. Gires pour Ayache sur le flanc droit. Long centre et belle sortie de Pfaff qui relâche la balle. Stopira rate son tir. Platini récupère, il a le temps d'ajuster. Son tir brossé s'écrase sur le poteau. Il s'en est fallu d'rien pour que Platini égalise. Admirez le magnifique travail du pied droit de Platini. Toute sa classe encore intacte et dans ce geste. Platini dans le rond central. Pour Gires. Au centre du terrain, Platini va s'engager dans la défense. Tigana l'a aperçu. Superbe passe. Et Platini qui échoue encore d'Arien devant Pfaff. Stupeur, Platini reste à terre. Est-il blessé? Rassurez-vous, Michel sourit, content d'avoir fait peur à son ami Pfaff. Et pourtant, sur ce ralenti, on peut voir le pied droit de Pfaff heurter la poitrine de Michel. Heureusement, sans gravité. Entre les deux joyeux compères et le public admiratif, c'est l'entente parfaite. Corner joué par Ayache. Maradona rate son contrôle, mais Gires ne peut conclure. Eux aussi, ils s'amusent bien. Pfaff, lui, a mis ses gants de géant.